Quels sont les chiens pitbull? Vous devez faire la différence entre l'American Pitbull Terrier, et les chiens dits pitbull. Dans le premier cas, vous avez un chien de race spécifique et bien défini, alors que dans le second cas, le terme de pitbull est utilisé pour désigner un groupe important, de différentes races de chiens présentant des caractéristiques physiques similaires. Certaines sources indiquent qu'il est incorrect de parler de race de chiens pitbull, mais des ramifications génétiques différentes qui vous amènent à être capable de différencier clairement les races pures des lignées généalogiques, qui se manifestent à travers certaines caractéristiques physiques et comportementales. 15 races de chiens pitbull, qui sont plus fortes que celles qui existent réellement. Numéro 15. Pitbull Terrier américain. C'est la race par excellence, à partir de laquelle les différentes lignes ou types ont été créés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'agressivité n'est pas une caractéristique de son comportement, puisque son caractère est sympathique et équilibré. Il possède une grande intelligence et une volonté de travailler. Son poids peut varier entre 13 et 25 kg. Numéro 14. Staffordshire Bull Terrier. Son poids varie entre 11 et 17 kg, c'est un chien compact, musclé et agile. Alors que de nombreux chiens pitbull peuvent se montrer territoriaux avec les autres chiens et les animaux, il a un caractère amical, également avec les enfants. Il est intelligent, vif et amusant, et fortement attaché à leur propriétaire. Numéro 13. Staffordshire Terrier américain. Il a des muscles largement développés, en particulier dans la région de la poitrine. Il peut peser 35 kg, et être d'une seule couleur ou tacheté. Il est calme, mais possède une forte détente. Numéro 12. Bull Terrier. L'une de ses caractéristiques physiques les plus notables sont les yeux triangulaires. C'est un chien têtu mais doux, qui a besoin de compagnie et de l'affection de sa famille adoptive. C'est un chien courageux et combatif qui peut atteindre 35 kg. Numéro 11. Stufolet. Cette race a été conçue pour les combats, c'est un chien pesant entre 35 et 40 kg, et sa caractéristique principale est que lorsqu'il allait, il semble sourire. Certaines sources estiment que c'est un chien agressif, mais vous savez que le comportement d'un chien dépend du comportement de son propriétaire. Numéro 10. Monster Blue. C'est un croisement entre le mastiff napolitain et le dog de Bordeaux. Il a une mâchoire puissante et une constitution épaisse et lourde. Son poids varie entre 45 et 60 kg. Numéro 9. Colby. Son élevage et sa reproduction ont commencé en 1889, et il a été conçu pour des combats de chiens, bien que son caractère soit équilibré, qu'il soit une grande vigilance avec les enfants. Il a une tête large et forte tête avec un museau plat et ridé, il n'est généralement pas très lourd. Numéro 8. Chat Muco. Il est également connu sous le nom de pitbull mexicain. C'est le plus petit des pitbulls, et a été conçu pour des combats de chiens. Il se caractérise par une résistance élevée, une structure mince mais musclée. Actuellement, sa reproduction et sa sélection sont clandestines, il est utilisé pour les combats de chiens. En réalité, il est un peu territorial mais y est à l'aise avec les humains. Numéro 7. Spic. Il est d'origine américaine et censé avoir du sang dalmatien, sa fourrure est blanche avec des taches noires. Ces chiens ont une musculature peu développée et ils sont conviviaux et calmes, ils aiment la compagnie. Numéro 6. Red Nose. Conçu en Irlande en 1830, sa fourrure est marron ou blanc et ses yeux sont de couleur miel ou vert. Il se caractérise par un nez rose, et une musculature mince avec de longues jambes et un dos fort.
Son poids varie entre 25 et 30 kg. Numéro 5. Cobra. Sa structure physique est similaire à celle du Red Nose, il se caractérise par des yeux noirs ou bleus, et un pelage toujours blanc, sans taches. Numéro 4. Villa Liberty, race développée en Espagne à partir du Red Nose. Sa structure physique est admirable, et son comportement fait de lui un animal de compagnie, idéal car il est équilibré, stable, sûr et courageux. Numéro 3. Pina. C'est un chien mince mais musclé qui peut peser 30 kg. Son pelage peut être tacheté et son museau est doux. Il a été utilisé comme chien de chasse. Numéro 2. Gamère. C'est une autre lignée développée pour le combat. Ces chiens ont une grande capacité athlétique et une carrure mince et musclée. Leur poids varie entre 25 et 30 kg. Numéro 1. Johnson. Son poids maximum est de 40 kg, et il rappelle le bulldog physiquement. Son poil est teinté de blanc ou de couleur. C'est un chien très fort, mais aussi lent et docile. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, merci pour votre visite au canal, tous les top 10.